Une nouvelle salle de cinéma fonctionnant à l'énergie solaire inaugurée en prélude à l'ouverture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. Baptisée Canal Olympia Yenenga, cette salle d'une capacité de 300 places peut également accueillir d'autres spectacles et des concerts. Le FESPACO, c'est Ouagadougou. Et nous avons tout à fait intérêt à tenir le standing et je veux dire grâce justement à ce type d'apport du secteur privé. Et je veux dire que ça permet au Burkina Faso de rester bien au centre de sa mission qui est de faire en sorte de développer, de faire la promotion des films africains. Troisième plus grande de la capitale burkinabé, Canal Olympia Yenenga est bâti sur plus de 700 mètres carrés pour un coût de 2 milliards de francs CFA, soit 3 millions d'euros. Son inauguration intervient alors que de nombreuses salles historiques ont fermé leurs portes et beaucoup de villes africaines ne disposent plus de grands écrans. Ici seront particulièrement projetés des films de Nollywood et ceux du FESPACO. On commence par 1500 francs CFA. C'est le tarif qui est dans tous les canaux Olympia. Et on va avoir. Les promoteurs visent la satisfaction première du public tout en développant la production et la promotion des films africains. 50 autres salles de cinéma devraient être ouvertes en Afrique dans les prochains jours.